Dans ce cours, nous allons voir comment insérer et personnaliser un filigrane sous Word 2013. Alors déjà, qu'est-ce qu'un filigrane? Eh bien, tout simplement, c'est un texte ou une image qu'on voit par transparence derrière un texte. Alors, on voit fréquemment un filigrane de texte quand on demande par exemple un duplicata d'une facture. On a notre facture et on a généralement le mot duplicata écrit en diagonale, que l'on voit donc par transparence. Et bien, nous allons voir comment insérer ce type de texte, comment le personnaliser et comment aussi insérer une image en filigrane. Alors pour cela, j'ai un texte d'exemple. Et pour insérer déjà donc un texte en filigrane, je vais dans l'onglet Création et tout à droite, j'ai l'outil filigrane. Étant donné que j'ai un petit triangle dessous, quand je vais cliquer dessus, j'ai un sous-menu qui va apparaître. Ici, j'ai déjà différents filigranes de texte qui sont déjà paramétrés. Brouillon ici écrit en diagonale, à l'horizontale, ne pas copier, confidentiel, urgent. Si l'un de ces textes me convient, eh bien, je vais cliquer sur le filigrane voulu. Et automatiquement, vous voyez ici, urgent se met bien en filigrane gris et en diagonale. Pour supprimer le filigrane, eh bien je retourne dans l'outil filigrane et je vais cliquer tout en bas sur supprimer le filigrane. Alors voilà déjà comment rapidement insérer un filigrane déjà préétabli par Word. Bien entendu, si vous voulez mettre votre propre texte et le personnaliser, vous revenez toujours pareil dans l'onglet, dans l'outil filigrane et tout en bas, vous allez cliquer sur filigrane personnalisé. Une fenêtre apparaît. Par défaut, ce qui est coché, c'est pas de filigrane, normal puisque j'en ai pas. Si l'on veut avoir une image, on va cliquer sur image en filigrane, on le verra tout à l'heure. Ou sinon, là, comme je veux un texte, je vais cliquer sur texte en filigrane. J'ai ici ma langue par défaut français et par conséquent, en dessous, j'ai des textes d'exemple écrits en français. Donc je vais retrouver certains que j'avais ici dans filigrane et d'autres. Donc en cliquant sur le petit triangle, j'ai brouillon, confidentiel, copie, document interne, etc. Si je veux ces mots-là dans une autre langue, eh bien je vais choisir la langue voulue en cliquant sur le triangle de la langue et je vais choisir par exemple anglais. Et ici mes textes d'exemple seront automatiquement donc en anglais, do not copy, etc. Je vais le remettre en français. Alors, soit vous choisissez un texte ici prédéfini, ou soit si aucun texte ne vous convient, vous pouvez bien évidemment placer le curseur à côté du texte, effacer le texte qui est tapé, et taper donc votre propre texte. Donc, par exemple, je vais faire simple, je vais taper filigrane. En dessous, vous pouvez personnaliser la police, donc le style d'écriture. Par défaut, ici, mon filigrane sera écrit en calibri. Si je veux changer, je clique sur le petit triangle de la police et je fais défiler soit avec la molette de la souris, soit avec ici l'ascenseur à droite. Donc, je clique après sur la police voulue, par exemple Lucida Calligraphie. Puis après, j'ai la taille de mon filigrane, la taille des caractères. Alors, par défaut, elle est en automatique, ça veut dire que mon filigrane va prendre soit toute la largeur, soit toute la diagonale de mon document, sans dépasser les marges. Mais je peux bien entendu cliquer sur le petit triangle et choisir une taille d'écriture personnalisée, 36, 40, 60, etc. Je vais le laisser personnellement en automatique. Je peux également changer la couleur d'écriture. Par défaut, ici, elle est en gris. Je peux cliquer dessus. Et j'ai une palette de couleurs, je peux choisir la couleur que je veux. Si parmi la liste ici des couleurs aucune ne vous convient, vous pouvez toujours cliquer sur Autre couleur. Une fenêtre apparaît contenant deux onglets, Standard et Personnalisé. Dans Standard, vous avez ici une autre palette de couleurs, donc vous n'avez plus qu'à cliquer sur la couleur voulue et à valider avec OK. Ou sinon, si vous voulez un nuancier bien plus poussé, vous cliquez sur l'onglet Personnaliser. Et là, vous avez vraiment le choix parmi toute la palette de couleurs. Donc vous cliquez sur la couleur voulue déjà dans le nuancier à gauche. Puis, dans le nuancier à droite vertical, vous allez déplacer
le petit curseur, le petit triangle, pour avoir une couleur plus ou moins foncée. Également, là aussi, vous validez avec OK. Une fois choisi donc la couleur, la taille, la police, etc., vous avez la possibilité de cocher ou décocher la case translucide. Je vous conseille de la laisser cocher pour que votre texte, donc filigrane, apparaisse en transparence, ne soit pas écrit donc de manière trop foncée pour que votre texte du document en lui-même soit toujours lisible. Mais libre à vous de cocher ou décocher cette case. Et enfin, vous avez la disposition de votre filigrane, donc qui va être écrit soit de manière diagonale, là, ce qui est actuellement coché, ou soit de manière horizontale. Et enfin, donc, vous validez avec OK. Et automatiquement, vous voyez, votre texte filigrane se met bien, donc comme vous l'avez paramétré ici, en diagonale, la taille automatique, donc qui prend toute la diagonale, avec la police Lucida Calligraphie en vert. Vous pouvez à tout moment changer la couleur, la police, etc. en revenant dans filigrane, puis tout en bas filigrane personnalisé, et vous retrouvez donc les différentes personnalisations, par exemple la couleur, je vais le remettre par exemple en rouge, et je valide avec OK. Même principe, si je veux le supprimer, c'est toujours pareil, je reviens dans l'outil filigrane, et je clique tout en bas sur supprimer le filigrane. Maintenant pour insérer une image en filigrane, eh bien c'est le même principe, c'est le même menu, je vais dans l'outil filigrane et tout en bas je clique sur filigrane personnalisé. Ce coup-ci, au lieu de cocher bien entendu texte en filigrane, je vais cliquer sur image en filigrane. Puis je vais cliquer sur le bouton sélectionner image. Et là il va me demander où se trouve mon image. Et là j'aurai beaucoup de choix. C'est-à-dire, le premier, à partir d'un fichier, si je clique dessus, ça serait pour aller chercher une image qui se trouve déjà sur mon ordinateur. Donc, vous cliquez dessus, une fenêtre apparaît, et vous allez chercher parmi vos dossiers l'image que vous voulez. Vous double-cliquez dessus, puis vous validez avec OK. Et votre image se met bien en filigrane. Si votre image ne se trouve pas sur votre ordinateur, ici, eh bien vous pouvez faire une recherche parmi les images qui partent de l'Office. Pour cela, vous avez une case ici de recherche, vous cliquez dessus, dedans, et vous tapez tout simplement le mot-clé que vous voulez. Hop, montagne avec un T, ça sera mieux. Puis, vous validez avec Entrée, et là, il fait une recherche parmi les images de Clipart de l'Office. Vous avez une liste d'images, vous pouvez le faire défiler. En passant la souris sur chaque image, vous avez une loupe. Vous pouvez cliquer une fois sur la loupe pour voir l'image en un peu plus grand, la fermer avec la croix. Et si vous voulez insérer cette image, eh bien vous double-cliquez sur l'image voulue. Même principe, vous validez après avec OK et votre image se met bien en filigrane. Vous avez également d'autres sources. Si vous ne trouvez pas votre bonheur parmi les images qui partent d'Office, vous pouvez faire une recherche sur Internet via le moteur de recherche Bing, donc c'est un concurrent de Yahoo, Google, etc. Donc pour faire une recherche via ce moteur, vous avez une case de recherche Bing, et pareil, vous tapez votre mot-clé, par exemple montagne, vous validez avec Entrée, et là le principe est le même, vous faites défiler, puis vous double-cliquez sur l'image voulue. L'image est en cours de récupération et pareil, vous validez avec OK. Je reviens dans Sélectionner images. Vous avez encore d'autres sources, notamment le SkyDrive, c'est-à-dire le cloud de Microsoft. Vous pouvez stocker donc des images et différents documents. Donc si votre image se trouve sur ce cloud, eh bien vous cliquez dessus. Il va vous affichez les différents dossiers qui se trouvent dans votre SkyDrive. Vous allez dans le dossier voulu, qui contient l'image que vous voulez insérer, bien entendu, et vous double-cliquez sur l'image que vous voulez insérer. Là, c'est toujours le même principe. L'image va être récupérée, vous validez avec OK, et elle sera en filigrane. Dernière source
d'image. Si votre image se trouve sur votre compte Facebook, par exemple, ou sur un autre réseau, eh bien, vous avez ici vos raccourcis pour aller chercher ces images-là. Bien entendu, ces fonctionnalités fonctionneront si elles ont été au préalable paramétrées dans Word. Donc, je vous conseille de voir, de consulter la vidéo pour rajouter donc un compte, par exemple un compte Facebook, pour le lier à votre compte Microsoft. Donc ici, je vais choisir une image de mon ordinateur, donc à partir du fichier, et je vais double-cliquer donc sur l'image voulue. Voilà. Dans tous les cas, quelle que soit la source de l'image, je me retrouve donc toujours avec cette fenêtre. J'ai ici l'échelle par défaut, elle est automatique, c'est-à-dire que l'image va prendre l'ensemble de ma page en respectant mes marges, mais je peux toujours cliquer sur le petit triangle et lui définir un pourcentage pour agrandir éventuellement cette image. Je peux cocher ou décocher la case estompée. Alors, vous voyez, par défaut, elle est cochée et donc ici, donc le filigrane, donc l'image, on la voit donc par transparence, elle ne gêne pas trop le texte. Mais si vous voulez mieux voir cette image, vous décochez estomper et vous validez avec OK. Et automatiquement, vous avez votre image en filigrane derrière votre texte. À tout moment, bien entendu, vous pouvez toujours la modifier en revenant sur filigrane, puis sur filigrane personnalisé. Vous cliquez sur sélectionner l'image et vous allez chercher votre image voulue. Même principe que pour un filigrane texte, si on veut le supprimer, on revient dans filigrane et on clique sur su supprimer le filigrane. Voilà, nous avons vu comment insérer et personnaliser un filigrane de texte et d'image sous Word 2013.